Salut tout le monde les gens, ici Baboulinet pour un nouveau numéro des Baboulitop. On classe plein de choses dans l'univers de Pokémon parce que casser des trucs c'est cool, soyez les bienvenus, j'espère que ça va pour vous. Donc on se retrouve cette semaine, après le vote de la semaine dernière où j'ai demandé de choisir entre le type insecte et le type poison pour le type. Et vous avez choisi, et une majorité à choisir le type poison, qui sera donc l'objet de ce classement. Je vais quand même rappeler que dans ce top 5 que vous allez voir, donc déjà ce top 5 ne concerne que mon opinion, c'est moi, je veux dire, j'ai pas l'intention de vous imposer quoi que ce soit, d'avoir la vérité universelle, parce que je pense que le monde serait dans un triste état si c'est moi qui avais la vérité universelle, mais que c'est simplement l'opinion d'un fan qui veut la partager avec les autres, et qui attend bien sûr que les autres la lui rendent en partageant le top 5 dans les commentaires. Je précise aussi que le premier du top 5, ça c'est ma petite restriction personnelle, devra avoir le type concerné en type principal, et qu'il n'y a aucun Pokémon légendaire, car ils ont eu un top 10 dédié il y a cela quelques semaines. Voilà, maintenant que tout est dit, rentrons dans le vif du sujet, et voici donc le top 5 des Pokémon de type poison. Et en cinquième position, nous retrouvons Draskor. Alors Draskor, pourquoi il est là lui? Ben déjà, il a un design qui est assez badass, assez intimidant, parce que quand tu le vois tout croc dehors, les pinces prêtes à te foncer dessus, tu dis oh, le mec, il a pas l'air très commode, je sais pas pourquoi. Et ça rend vachement bien. Niveau type, il est vachement cool, parce que je veux dire, Poison Ténèbres pour annuler sa grosse faiblesse handicapante qu'est le psy, c'est plutôt pas mal. Et après, je veux dire, faut regarder ses stats. Je pensais que c'était plus un Pokémon axé sur l'attaque, mais en fait, non, c'est un peu comme Scorvol, si vous voulez. C'est un Pokémon qui est bon en attaque, qui est assez rapide, mais dont la meilleure stat est la défense. Ce machin, il est là, il est principalement fait pour encaisser des coups. Et en plus de ça, vous regardez au niveau des talents, vous avez quand même armure baston pour dire les critiques, nope. Et quand vous avez envie de critiquer, vous dites, oh, tout en sniper, comme ça, les critiques, ils vont faire bien, bien mal, bitch. Et autant dire que c'est... C'est un Pokémon qui est vachement cool, puis en plus si vous regardez au niveau du set ce qu'il apprend, il apprend les crocs élémentaires, sabotage, move au combien pété, vous le savez très bien, crochet venin, tranche nuit, machouille, poison croix, après vous avez séisme, casse-brique, éboulement, vous avez plein de choses sympas, et puis ce qui pique et qui font très 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 mal, et qui honnêtement tout ça, ça rend ce Pokémon vraiment très sympa. En fait, la seule chose qui fait que je ne le mets pas plus haut, c'est que je n'ai pas encore eu la chance de le tester, et je ne sais pas vraiment ce qu'il vaut au combat, donc du coup, je me dis quand même que son design et ses bonnes stats, ainsi que ses couplets à son Boomerang, lui veulent une place dans le top, et par, on va dire par retenue, parce que je ne l'ai pas testé, je le classe à la cinquième position. En quatrième position, nous retournons à Kanto pour y retrouver un Pokémon emblématique de type poison, j'ai nommé Smogogo. Alors pourquoi Smogogo est dans ce top? Ben déjà, on ne peut pas nier l'impact qu'a eu Smogogo sur l'animé. Je veux dire, à chaque fois qu'il y avait à chaque épisode, tu le voyais dans la Team Rocket à partir du moment où il avait évolué. Ça, il n'y a pas à dire, hein, James en avait un, donc tu le voyais tout le temps. Il a un design qui est finalement assez simple, mais que je trouve plutôt cool. Je veux dire, la deuxième tête qui a l'air de dire mais qu'est-ce que je fous là, la première tête qui est là c'est tais-toi et avance. Et puis c'est un Pokémon qui est tout comme Draskor, c'est un Pokémon qui a été pensé comme un tank. Je veux dire, vous regardez sa meilleure stat, c'est la défense à 120. Ce machin, il encaisse les coups et encore et encore et encore et encore tant que c'est physique, parce que si c'est spécial on va quand même pas déconner. Et surtout, il est capable De renvoyer les coups. Je veux dire, bon, vous avez par exemple une petite bombeur, mais après vous avez quoi? Vous avez tonnerre, vous avez fatal foudre, vous avez balle ombre, vous avez lance-flamme, vous avez déflagration, vous avez vibrosure, vous avez plein de choses pour vous amuser avec Smogogo, pour pouvoir rendre les coups. Ah oui, j'ai failli oublier, pour emmerder, vous avez feu follet, vous avez balance aussi, qui sont des mots vachement sympas. C'est un Pokémon qui est vachement cool à jouer, surtout quand on sait comment jouer comme un tank. C'est un Pokémon qui est cool, qui est un petit peu... comme on dit en anglais, il est un peu underrated, c'est-à-dire qu'il n'est pas apprécié à sa juste valeur, c'est dommage. Et moi, c'est un Pokémon que j'aime beaucoup pour toutes les raisons que je viens de vous citer. Et je pense qu'il mérite une place dans ce top, et j'ai choisi de lui attribuer la quatrième cette semaine. En troisième place, nous retrouvons un Pokémon qui avait déjà figuré dans un top précédent, il s'agit de Roserad. On avait deux tanks physiques, nous avons maintenant un tank spécial avec Roserad, et en plus un tank spécial qui est capable de rendre les coups, parce que Roserad, c'est plus ou moins Smogogo en spécial. C'est plus ou moins ça, c'est vraiment le tank spécial, bon même si c'est l'attaque spéciale qui est plus forte que le reste, mais c'est un Pokémon qui est très bon sur le plan défensif, et comme pour l'avoir testé moi-même quand je faisais de la stratégie époque de la 5ème génération, tant que c'était spécial, elle tankait mais absolument tout, je veux dire, tu l'arrêtais pas la Roserad, hein. Et en plus de ça, avec plein de moves pour emmerder, je veux dire, Giga Sensu,
Enfin, vous avez plein de moves pour taper Giga Sensu, Balle Ombre, Bomber, que... En fait, éclat magique. C'est vrai que la magique, ça peut être pas mal pour surprendre. Mais en fait, ce qu'il y a avec Roserade, c'est que c'est pas un Pokémon qui a le move pool le plus étoffé qui soit. Même si on peut quand même avoir des trucs sympas du genre Extra Senseur, Picot aussi, qui peut être pas mal. Synthèse pour récupérer des points de vie. C'est un Pokémon qui est là pour prendre des coups. Et si on le joue full, offensif, il fait des trous dans les équipes et j'ai envie de dire, parce qu'on est à la troisième place, je n'ai toujours pas dit cette phrase que je sors depuis les 20 derniers tops à peu près, c'est son boulot. Et elle le fait bien. Vous l'attendiez celle-là, je parie. Et du coup, pour toutes ces raisons, j'estime que Roserade mérite une place dans le top et j'ai choisi de lui attribuer la médaille de bronze. Pour la médaille d'argent, nous repartons à Kanto, un Pokémon qui a été en tête d'un top il y a peu de temps. Je veux bien sûr parler d'Ectoplasma. Ectoplasma, il fait partie de mes Pokémon préférés, point barre. Je veux dire, ce design, le grand sourire malicieux, les yeux de l'air de dire « je vais me marrer à tes dépens ». Le design est assez simpliste finalement, parce que c'est simplement une espèce d'ombre qui bouge. Et le design du méga qui est pas mal non plus. Des stats de folie pour taper, c'est un pur bourrin. Bon, par contre, il est pas là pour prendre des coups, c'est clair. Le move pool qui est... En fait, le move pool par level up est pourri, mais le move pool par CT est génial. Je veux dire, on va prendre quelques exemples histoire de rigololer. Vous avez quand même Onde Folie, Balle Ombre, ensuite je descends dans les CT. Tonnerre, Fatal Foudre, Psycho, Bomberk, Écosphère, Écosphère, Exploforce, j'ai failli l'oublier celui-là. Feu follet, Vibre Obscur, Éclat Magique. Et après, vous regardez si... Bon, non, je peux avoir par reproduction. À moins que vous ayez envie d'en faire un physique avec les points élémentaires, ce qui peut se faire. D'ailleurs, surtout, vous me demandez comment Fantominus arrive à taper avec des points alors qu'il a pas de bras, mais c'est pas la question. Mais c'est un Pokémon qui est vraiment fait pour faire des trous dans les îles parce qu'il est rapide, il tape super fort, et même si on a une bonne défense spéciale, ça devient difficile de tenir. Et c'est un Pokémon qui pour moi est génial. La seule raison qui fait qu'il est pas premier cette semaine, je vais être honnête avec vous, c'est qu'il a type, parce qu'il a type poison en type secondaire, rien de plus. Mais bon, Ectoplasma est deuxième, et c'est déjà ça. Mais alors du coup, qui est le numéro 1 de cette semaine? Et ben pour le numéro 1 de cette semaine, nous allons rester à Kanto, parce qu'étrangement, tous mes Pokémon des types poison préférés sont à Kanto, et le numéro 1 est Nidoking. Alors pourquoi Nidoking et pas Nidoqueen? Bon, c'est vrai que les deux auraient pu figurer dans ce top, mais j'avoue que je préfère un petit peu le design de Nidoking à Nidoqueen. Je veux dire, Nidoking me paraît plus intimidant, alors que Nidoqueen, c'est un peu la mère qui est là pour avoir la présence plus rassurante. Contrairement à l'autre, parce que c'est vrai que pour moi, c'est un peu des opposés. Comme j'ai l'habitude de dire que la famille Tarsal jusqu'à Ganam, c'est une famille. Pour moi, les Nidorans, c'est plus ou moins pareil. C'est aussi des petites familles comme ça qui vont ensemble avec Nidoking et Nidoqueen qui forment les parents. Et après, vous avez les adolescents avec Nidorina, Nidorino et les gamins avec les petits Nidoran. Mais bon, c'est pas la question. Et en fait, si Nidoking est là, en plus du design, c'est parce qu'il a un truc qui est vachement bien, c'est la versatilité. Il est polyvalent, ce Pokémon. Vous pouvez en faire ce que vous voulez. Vous avez envie de taper sur le spécial? Pas de problème, vous avez plein de choses. Vous avez Tellurie Force, vous avez Choc Venin, vous avez Laser Glass, vous avez Tonnerre, c'est Phoenix, on s'en fout. Vous avez Balle Ombre, vous avez Bomber, vous avez Lance-Flamme, vous avez plein d'options à votre disposition. Et si vous préférez tirer parti de sa stat d'attaque, qui a d'ailleurs été augmentée en 6ème génération, qui pourrait être 92 à 102, et ben vous pouvez, vous avez Megacorn, vous avez Séisme, vous avez Direct Toxic, vous avez Griffon, vous avez Lame de Rock, vous avez plein de choses, vous pouvez faire ce que vous voulez avec ce Pokémon. Et en plus de ça, il va taper fort, il va être bon. C'est un Pokémon qui est encore un peu underrated parce qu'il devrait être un peu plus haut dans les tirs, mais bon, avec l'évolution du genre stratégie, il a un peu pris, mais ça n'empêche que c'est un Pokémon qui est capable de faire beaucoup de choses, et qui en plus de ça, il le fait parce que c'est un Pokémon qui a l'estime du savoir, c'est-à-dire les Pokémon qui connaissent beaucoup de moves. Voilà, ça c'était le petit moment Eddie Malou, et c'est sur ce moment Eddie Malou qu'on va donc clore les raisons pour lesquelles Nidoking est le numéro 1 de la semaine. Et voici donc qui vient clôturer ce nouveau Baboulitop. Je vous remercie de l'avoir regardé, j'espère qu'il vous a plu. Et c'est le cas, n'oubliez pas de démonter la face de ce bouton j'aime pour montrer votre soutien. Ça fait toujours plaisir à voir, je le rappelle. N'hésitez pas à partager votre top 5 dans les commentaires, à vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait, à parler à la chaîne de vous, tout ça vous le savez. Pas de vote pour la semaine prochaine parce qu'il ne reste plus qu'un seul type de Pokémon à étudier, le type insecte. Et donc je vous donne rendez-vous samedi prochain pour clôturer cette liste de types avec l'avant-dernier Baboulitop sur Pokémon. D'ici là, ne changez pas. Encore merci de votre soutien. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures sur la chaîne. Bye!